tu fale lo musuye Mashala ni balala makwa Tamwe Glorela we tu ni wakulwe Nubaye Twa imwaje Andre we tu tu fafwe mwalugwelo Claudela we no ni wa kule Nubaye Twai mwaje Leli ma chena ne bwipe buna Kabangu kwa ngani wa ni kunganye Yaya we Merci. Je suis venu saluer le gouverneur et à travers lui saluer toute l'administration provinciale dont il a la charge, mais en même temps aussi saluer la population qui l'encadre et qui l'administre depuis quelque temps ici en province. Je suis venu également l'encourager à travailler et l'encourager à continuer à travailler pour notre intérêt à nous tous. Notre intérêt, nous Kassaïens, notre intérêt, nos citoyens, parce qu'il a la charge de nous administrer et de travailler dans notre intérêt et pour notre intérêt. Je suis venu également lui dire que je suis à Kananga depuis hier, dans le cadre de mes vacances parlementaires. Mais en réalité, ce ne sont pas des vacances. C'est un moment d'évaluation de la situation politique, économique, sociale, culturelle, la situation générale de la province, avec l'autorité provinciale, avec la société civile, avec les gens de toutes catégories, et que dans ce cadre-là, je resterai dans la province pour quelque temps. Je reviendrai pour lui faire part de tout ce que j'aurai enregistré comme préoccupation ici en province, et pour voir avec lui quelle est la part qui relève de sa compétence et quelle est celle qui relève de la compétence du gouvernement. Je suis content de Merci. 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 Je suis heureux d'avoir eu cet échange combien riche et enrichissant avec les membres de l'Assemblée provinciale du Kassai occidental, avec ceux de la société civile, mais aussi avec le personnel de police, avec qui nous avons réfléchi ensemble sur la mise en œuvre de la police de proximité ici, dans la ville de Kananga, mais davantage évaluer les problèmes sécuritaires qui se posent ici au Kassai occidental. Claudela we tuni wa kule nubaye twai mwaje Le lima
Yeah.
ton foyer, vos souliers. Achala, ni balala, ma part. Tape. Glorela, oué, tout le roi, couloué. Ni baillé, taïmoyé.
canal, canal. Six zero zero bags. Coming from Kinshasa. We have stone and aggregate. Yes, listen to me. Then we will excavate this area. Then we will get rock. That rock we will put here crush plant and batching plant. Après avoir interpellé le gouvernement sur la question de construction du barrage de Katende, j'ai tenu à venir parper du doigt les réalités pour comparer ce que le ministre a dit et ce qui se fait sur le terrain. J'ai le malheur d'être déçu, c'est-à-dire que si je pouvais encore le dire, je crois que c'est un mensonge d'État. C'est le plus important. C'est un mensonge d'État
parce qu'on ne peut pas comprendre que les travaux de barrage de Katende, travaux supposés, bien sûr, de construction du barrage, se déroulent en l'absence des autorités congolaises. Il n'y a aucun fonctionnaire du ministère des Travaux publics sur le site affecté pour ça. Et un qui serait affecté serait bloqué à Kananga faute de transport depuis plusieurs mois. Je ne peux pas comprendre non plus que pour des travaux de construction d'un barrage dont les préalables sont essentiellement de travaux de génie civil, qu'il n'y ait pas sur le site ne fût-ce qu'un gramme de moellon, un gramme de gravier ou ne fût-ce qu'un kilogramme de ciment. Il n'y a pas la caillasse non plus. Je suis quand même surpris de constater que l'essentiel est fait pour améliorer les conditions de vie de ces touristes indiens qui ont quand même trouvé une curiosité ici sur le site pour leur détente. Mais en même temps que la main-d'œuvre locale qu'ils exploitent à fond pour leur faire et aménager de route est très très mal rémunéré et n'a droit ni aux soins médicaux, ni au transport, ni à quoi que ce soit. Bref, le débat reste, il demeure. Nous allons le relancer le plus tôt, le plus vite et le plus rapidement possible dans l'intérêt de l'État qui est censé réaliser cet ouvrage, mais aussi de nous tous, population, qui sommes ou qui en sommes les principaux bénéficiaires. En descendant ici, je ne viens pas dire que ce qui est fait est bien fait ou mal fait. Non, je viens plutôt constater et à partir de ce constat, accélérer, intensifier la pression pour que des voix continuent à s'élever à Kananga, à Mbujimayi, à Mweneditu, à Lodja, à Chikapa, Ilebo, Mweka, Kananga, et partout où les populations sont supposées être bénéficiaires de ces 64 mégawatts à produire, pour que nous tous, nous puissions continuer à faire pression sur le gouvernement, sur les décideurs. Parce que le plus important, c'est que la première pierre qui a été posée soit rapidement balayée par des grosses pierres qui vont être jetées pour faire des fondations, pour construire, comme je l'ai dit, le canal d'Aménée, par exemple, et autres. Et ça, nous attendons très, très rapidement. Mais c'est un travail qu'on va faire ensemble, et c'est un travail de tout le monde. Nous allons rapporter ce que nous avons vu et nous allons partager notre déception avec les autres. C'est sur la même voie, je dirais même sur la bonne voie qui a été suivie par Klaxon Power. Tout simplement à cause de la légèreté dans la prise de certaines décisions. Klaxon est arrivé, il a pompé 3-4 millions de dollars. Et le lendemain, ils se sont volatilisés. Ils avaient même un avion qui se posait ici. Ils se sont volatilisés avec cet avion et avec l'avion et avec l'argent. Ici, nous allons être très attentifs et nous allons suivre de près pour éviter que le peuple ne continue à être arnaqué, à être nargué. Nous allons veiller ensemble, nous tous citoyens, pour l'engagement du gouvernement, l'engagement du chef de l'État à faire sortir de ses eaux un barrage, une centrale hydroélectrique, que cet engagement soit tenu. C'est tout ce que demandent les Kasaïens, les Kasaïens de Kananga, du Kasaï occidental, les Kasaïens du Kasaï oriental. C'est tout ce qu'ils demandent. Ils ne demandent pas mieux que dans l'enveloppe globale de la révolution de la modernité, qu'ils aient leur part. Et cette part, c'est lorsque ce barrage sera sorti de ses eaux. C'est tout ce que demandent les deux Kasaï et c'est tout ce qui leur a été également promis. Donc nous tenons, nous allons continuer le travail pour qu'on cesse de poser, d'ajouter des pierres
sur la première pierre, mais plutôt que ce soit remplacé par des ouvrages de génie civil. Après un mois passé, le 15e jour, le deuxième mois. Donc, 45 jours.